Salut à tous. Aujourd'hui, retour à la station des Sept-Lots, avec cette fois comme objectif la traversée depuis Pincerie jusqu'à Roche-Noire. Toujours aussi beau, Belton. Par contre, c'est vrai que c'est soufflé. C'est un petit tour avec montée en ski de rando. La traversée d'Arrête, au-delà des Dents de Pipec, qui s'annonce être une petite course d'alpinisme. Pas très difficile, pas très technique, hein, c'est juste une petite arête recouverte de neige. Mais ça aurait au moins le mérite de me sortir un peu, de me faire sortir les crampons et de me faire sortir un piolet. Donc je prépare les affaires. Et c'est parti. On va peut-être faire une paire de lunettes. Mais pour le moment, j'ai pas vu de coulée. En tout cas, pas de dépôt de coulée. Pas dire que ce soit safe, mais... C'est joli cette espèce de combe. Pas de clairière. Voilà, forcément on croise un peu plus de monde. Croiser un petit monsieur qui redescendait en ski de fond. Chapeau à lui d'ailleurs, parce que moi si je descends ça en ski de fond, je finis plâtré de neige. Une famille qui descendait. Partie à ski, en partie en luge, raquette. Et voilà, ce que je prenais pour Roche Noire tout à l'heure, c'était la dent, ou les dents, je sais plus, de Pipet. Après les dents de Pipet, je continue sur l'arête, en direction de Roche Noire. Le début passe bien en ski, il n'y a pas de cailloux, c'est large, c'est même tracé, c'est plutôt tracé raquette que ski, mais ça passe, jusqu'à arriver à un petit colu au pied vraiment de ce qu'on pourrait appeler les difficultés. Je mets crampon, je sors le piolet et c'est parti pour l'arête. J'ai voulu faire des essais de prise de vue en mettant mon téléphone sur ma sangle de sac à dos. Ça marche à peu près. Le souci, c'est qu'il y a des poils de barbe qui viennent se glisser dans l'image assez régulièrement. J'ai essayé d'expurger un peu tout ce que je pouvais du film que j'en ai tiré, mais voilà, il y en a toujours quelques-uns qui viendront un peu perturber la vidéo. C'était pas le bon plan. Mais ça permet d'avoir un petit aperçu de ce que c'est que de traverser. Sur l'arête, l'important c'est un peu la roulette russe. On peut très bien mettre le pied et ça tient super bien avec les crampons, comme on peut mettre le pied et puis on se retrouve avec de la neige à minuit dans un trou. Ça fatigue un peu, mais je finis quand même par arriver au pied du dernier ressaut, le petit ressaut câblé. Le jeu étant bien sûr de ne pas servir des câbles.
une fois au sommet de ce ressaut, en fait, je suis quasiment arrivé au col sous Roche Noire. Puis je m'arrêterai ici, justement. Pas très envie d'aller plus loin, je commence à fatiguer un peu. Ça fait déjà une bonne journée.